on fait des petits bosquets de biodiversité pour les poules, qu'elles aient des endroits où se cacher, qu'elles aient également des fruits à manger. Donc il y aura des sureaux, il y aura des mûriers. On a la mare autour de laquelle tout le système est basé. En fait, là, ça va être des cercles en rond autour de la mare. On a commencé ce matin donc par leur expliquer comment on plantait un arbre. On leur a montré les différentes étapes. Ensuite, on a planté un arbre. Après l'explication, on va dire théorique, on a fait une explication pratique où on a planté un arbre donc avec tous les bénévoles rassemblés autour, histoire qu'ils voient comment ça se passe. Et puis ensuite, on les répartit en petits groupes. Du coup, nous, au cours de la journée, on essayait d'être un petit peu disponible en fait en répondant aux questions et aux sollicitations qui peuvent se poser au cours de la journée par les bénévoles qui sont venus aider. Il va y avoir à peu près 120-130 arbres plantés là, mélangés, améliorants et fruitiers. Et ensuite, c'est de ramener des poules et d'avoir des poules qui vont pâturer donc dans le verger en dessous des arbres avec des poulaillers mobiles dans lesquels elles pourront vivre. Et du coup, on va déplacer les poules au fur et à mesure. Elles mangeront les fruits, elles auront la protection des arbres et puis elles travailleront le sol, elles fertiliseront le sol pour que les arbres puissent aussi avoir un apport par les poules. L'idée, c'est de faire un projet qui soit transformant pour l'agriculture locale. Ici, quand on se balade, on voit des fois des champs à perte de vue, avec des fois pas de couvert végétal dessus. Donc quand il pleut, on sent qu'il y a l'eau qui érode le sol. Donc ce qu'on aimerait, ce serait vraiment transformer l'agriculture dans la région. Et donc on aimerait travailler avec d'autres agriculteurs, plutôt dans la région où il y a des plus grandes cultures. Donc peut-être avec de l'ail, peut-être avec des céréales, etc. Voilà, donc on va vraiment développer l'agroforesterie à plus grande échelle dans le Tarn en 2020.